L'organisation du Grand Prix de France est confiante quant à son maintien en 2023. Je pense pas, honnêtement, hein. Nous ne sommes cependant pas encore morts, déclare Pierre Guionnet Dupeyrat. La France a une place importante dans l'industrie automobile et l'histoire des courses automobiles. Nous avons des champions, deux pilotes de F1, et avec Alpine également une équipe en Formule 1. D'accord, il y avait trois lignes, littéralement. D'accord, bon, bah écoutez, ça valait le coup de faire une news. Bon, après, ça vaut toujours le coup de reparler du Grand Prix de France. Mais moi, je pense qu'ils se trompent. Je pense que c'est fini, hein, le Grand Prix de France. Hein. Au moins à court terme, voire à moyen terme. À long terme, peut-être qu'il reviendra ailleurs. Mais bon, là, pour moi, pour les années à venir, c'est mort. Je suis même pas sûr, honnêtement, que le Grand Prix de France arrive à décrocher une course en alternance avec un autre Grand Prix. J'en suis même pas sûr, honnêtement. Donc, pour moi, c'est terminado. Et est-ce que c'est pas plus mal comme ça? Parce que le circuit est pas ouf, hein, quand même, pour la F1. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Grand Prix de France a-t-il encore un avenir? Ciao!